Nous vous emmenons maintenant au MOUM, pour Musée des objets ordinaires de Marseille, ou comment effectuer un voyage dans le temps poétique et tendre. C'est un petit musée éphémère installé dans le hall du cinéma Le Gyptis à la Belle de Mai. Sa collection, des objets ordinaires, des petits riens du quotidien, sans valeur mais avec une mémoire, celle des habitants du quartier. Comme cette paire de ciseaux donnée par une couturière. Je l'ai rencontré dans sa boutique parce que aussi autour du musée, on va parler avec les gens. Et donc cette personne m'a amené la paire de ciseaux de son grand-père qui était tapissier et qui n'a pas pu continuer son métier. Il était arménien, il a été envoyé dans les camps et c'est la paire de ciseaux de son grand-père. Et donc l'étiquette, c'est moi, mon grand-père, il était coupé de ses racines. Magnifique. Partenaire du théâtre Massalia, le théâtre de cuisine fait depuis longtemps du théâtre d'objets. Ce musée, c'est son idée, l'occasion aussi de sortir des murs parfois intimidants du théâtre pour aller à la rencontre des habitants. Il y a écrit « Moi, ma grand-mère, elle en faisait tout un flan ». Alors, il y a deux manières de faire, finalement. La première, c'est que la personne trouve l'objet et elle crée la phrase. Donc qui parle de son grand-père ou de sa grand-mère, ou alors la personne a envie de dire quelque chose de très émouvant ou de très authentique, qui puise dans la mémoire, et donc elle va trouver l'objet en fonction de ce qu'elle veut dire. La collection du MOUM s'est enrichie tout au long du mois de février. Elle reste à découvrir jusqu'au 7 mars au Gyptis, et peut-être plus tard au MUCEM. Des négociations sont en cours.